Fidèle téléspectateur de Congo Live Télévision, tu as une source dans mon cola, le pour que tu bêtes ma solo et que tu as une moka. Tu as ma solo, moka et bêtes ma canabana moka. Lélo, tu as la situation que les Kanakas de la République démocratique du Congo, mais tu as concentré vraiment minute oyo pour que tu bêtes ma solo et pas eu à pied. Bah, il politique. Bah, au bas, au dans le processus électoral oyo, bah, ça n'a ni bangonio so et pas eu moko. Concertation à CENI. Est-ce? Et comme ma biso déjà na to kanisa déjà dialogue et comme ma biso to et ba ma pona mezali to ezalite et pa yote moni le président Félix Assimi Martin Fayulu Lobi Mafa situation ezan ngeni to ko vanda wana to beta masolo na mona mboka maître banu to ko beta ne masolo po ye aripe moko a ko postuler na kati ya circonscription ya Mongafula na o Itali bongo députation provinciale et sengi to beta na masolo mona mboka mbote na yo. Mbote ndeko journaliste, merci pour l'invitation na yo, il y a toujours malamu ko yana tando ke ko échanger ko solo la na ba kongoma ni nyoso bazako landa biso pour la ko yeba mboka ezali ko kene lo lene kani parce que c'est toujours important de réfléchir sur ma question d'actualité de notre pays et puis na ko bosa na te ko pesa mbote na bana mongo afula nyoso bazako landa biso na tando ke c'est toujours un pour moi un honneur d'être parmi ba lobelia commune wana ya mongo afula. Oui, ils ont commis une mort, mais vraiment négligé par le gouvernement en place. Ils ont été bunda chaque jour pour que les services soient tous les temps. Ils ont été tellement compliqués, délabrément hyper avancés. Ils ont été comme un tourisme, route à tourisme. Ils ont été comme un boulot, ils ont été occasionné un embouteillage terrible pour éviter ceux qui battent tout. Ils ont été comme un boulot avec une éphémère parce que ils ont été comme un boulot en janvier. Moi, en février, place Karababamba qui wana. Et tout qui sous, et tombe sous. Je me demande maintenant, Babamba, tout va s'arrêter. Et puis, tout va rester normal, tout va s'arrêter en cours. Donc, c'est ça la question que nous nous posons par rapport à ça. Mais nous osons croire que non, dans les jours à venir, lorsque les vrais députés seront là, au niveau du Parlement provincial, ils vont poser des vraies questions aux différents ministres qui gèrent la chose publique dans notre pays. Voilà, tout comme ma solo mon mboka, on est là qui bongo mbelao yo beti pour la circonscription électorale pour tout comme ça na pepene pene ma pona mi singeli vent ya sika pour na bana nyoso ya ba bisika ndenge na ndenge ba ko kozwa pe bato ya sika ndenge to koloba lelo mais mon mboka tant to kotala tous en quatre processus électoral lelo yo seni isangisi ba candidat nyoso ba ko concourir na élection ou présidentielle. Situation où et comme il m'a dit ça, na dialogue tout espérer vraiment réellement ma pour Namie Zali. Déco en tant que candidat, nous sommes invités aussi na processus wana. Je crois que après rendez-vous y a ba chef d'État et qu'il y a rendez-vous y a ba députés provinciaux, députés nationaux, na ba conseiller communal surtout bon ba bengami na ba dialogue wana. Alors, comme nous ne sommes pas à mesure de lire dans les boules de cristal, moins encore de prophétiser à la place publique, nous préférons garder notre mal en patience, Tozela, Toyoka et l'on a bombé les buissons. Parce que généralement, dans l'Andagipé, il y a Séni Kadima, dans Séoul, je tout crois, à Lubaki a insisté pour dire que nous, en décembre 2020, et le 20 décembre 2023, il y aura bel et bien élection à Batouaropona. Maintenant, au cadre de la concertation, tu habites objet du jour, les années, tu habites. C'est vrai, il faut que tu réfléchisses aussi au-delà, mais du moins, nous croyons, nous osons croire que jusque-là, la bouche autorisée pour maintenir tout qu'on reporter les Akaraseni, et comme il ne s'est pas encore prononcé, nous sommes là, on regarde encore, on suit encore, mais cela ne veut pas dire que nous n'allons pas nous préparer de notre côté. Tout s'est préparé déjà. Nous sommes bientôt là, dans le quartier Moussangou, dans la commune de Mongafula, dans un membre de Ramoko à perdre un déconnaillé. Je dois aller et puis participer à la vie mortuaire à l'élo parce que c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que je fais avec les bases. Bon, du coup, c'est quand même la technique à illustrer les bisous images. Mais moi, je suis parce que je n'ai pas eu Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République, a salué vraiment Mafa, a bengué Mafa. Situation où on a et c'est un peu bas congolais technique ou mais un peu gobongisé la biche en gros mais tant que tu côté là ma punami ouyo moi n'emboka te monique opposition yépé na part naie azali na mbela ya kuluka candidature commune
mais tout moni bango nous na kati ya concertation moko et le mon président de la République ba kinyoso na kati wana mais tant que tala ningi to kopusa na malé malembe est-ce que vraiment to espérer ma pour na mina délai to et glissement moko ozala parce que yo moko uti koyebi sa biso ete denika di mana Séoul et pa yo api ya ye moko lo bagi keza ba matériel ya souka ou ya kozwa ma ko douter nani ni la déploiement ya ba matériel mais est-ce que déploiement pe ba matériel et ko salema et que netina ba fin fond pour que permettre élection ezala vraiment le 20 décembre to ezaka ka maloba mais to ko vivre contrairement à la réalisation au départ d'abord de votre question ezaka d'abord par rapport à candidature commune ya opposition parce qu'aujourd'hui il y a 26 candidats, il y a un candidat de la majorité et 25 de l'opposition, bon, pour ne pas parler encore des sociétés civiles et des autres. Et j'aurais voulu qu'avant que Bakken ne dépose la candidature, il fallait s'organiser d'abord, mettre en place, choisir un candidat de l'opposition qui allait être accompagné par les autres avec un projet commun pour tout le monde. Et aujourd'hui, ils ont déposé de manière séparée. Ils ont bousillé 80 000 dollars américains pour déposer des candidatures de manière séparée, alors que dans la partie de Bongo, il y a des jeunes qui ont des difficultés, il y a des jeunes qui ont des projets, il y a des jeunes qui cherchent à juste peut-être 100 dollars pour savoir qu'il y a une cabine à quoi est venue. Mais ils n'ont pas pu le faire. Ils ont préféré aller en ordre dispersé à la CENI, dépenser 80 000 dollars, et aujourd'hui, ils cherchent maintenant à se réunir. Et qui aussi veut se réunir? Parce que d'un côté, il y a le 4 là ou le 5. Parce que la moyenne de Denis Moukou, la région de Bangou, le 5, qui cherche à avoir un candidat commun. Mais de l'autre côté, il y a aussi d'autres personnes qui sont toujours en divagation, en ordre dispersé. Donc, en d'autres termes, l'opposition est à perte de vitesse. Il n'a pas d'éléments à brandir devant le candidat de la majorité, qui est le président Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo. Kassilian Etienne, ceux qui ont organisé, ils ont organisé les élections, c'est pour nous. Mais maintenant, côté concertation, côté déploiement, il y a pas matériel. C'est vrai, c'est un problème. C'est un problème parce que déjà, nous sommes à une semaine, il y a début à campagne. Tout à fait. Et puis, non seulement début à campagne qui va prendre un mois, après le un mois, nous aurons directement Maponami. Est-ce que na Kabea Kamwanga, est-ce que na fin fond na Bikoro, matériel et est-ce que na province na Ituri matériel et kokoma na Bunaganda et kokota na Masisi et kokota, ce sont des questions que nous pouvons nous poser par rapport à cela. Mais étant donné que la CENI est l'unique organe qui est choisi pour faire cela, et nous allons participer à cette réunion, à cette concertation, et nous allons savoir pourquoi nous avons été invités. S'il va soulever cette question-là, ça sera une question d'ordre général, je peux dire, parce qu'on ne peut pas passer outre, on ne peut pas organiser les élections que pour Kinshasa et les restes des provinces, on le met de côté. C'est vrai, je suis candidat, mais je suis aussi réaliste, je suis aussi quelqu'un qui réfléchit. Donc je crois que pour ne pas prophétiser à la télé ou pour ne pas lire dans des boules de cristal, allons d'abord écoutons pourquoi nous avons été invités. Et je garde toujours dans ma tête les discours du président de la CENI qui avait insisté pour dire que le 20 décembre 2023, il y aura bel et bien élection. Jusque-là, c'est ce que j'ai gardé dans ma tête et dans mon cœur. Maître, tout là, est-ce Bila et mon amboka Félix, toi tu sais qu'il dit, est positif, il est positif, tôt, et il y a encore des choses à faire, ou soit il y a des choses qu'il fallait faire et s'imiter. Vous savez, le bilan du chef de l'État est largement positif. Pourquoi positif? Positif parce que ce qui, moi, pour nous, quand on a le bilan, il faut que la place de l'outil. Il y a la place de commis, premièrement. Deuxièmement, il faut que la condition, il a pu réaliser ce qu'il a réalisé. Et puis, le bilan, il y a un problème, il y a par secteur. Ce n'est pas par exemple dans le secteur social. Parce que le secteur où on est tout place, la population a vraiment dérangé, a vraiment touché. Oui, il y a une population qui s'est retrouvée dans le secteur. Je ne sais pas, mais du moins, la population se retrouve de manière coordonnée. Je peux donner l'exemple. Gratuité enseignement. Vous allez me dire que la population ne se retrouve pas dans ça. La tire sous gratuité maternité. Vous allez me dire que la population ne se retrouve pas. Vous savez combien les gens dépensent pour envoyer les enfants à l'école? Vous savez combien les gens dépensent pour la maternité? Aujourd'hui, c'est une réalité grâce au président Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo. Dans quel domaine il y a emploi?
Tu sais qu'on a recruté combien de magistrats? Plus de 5000 magistrats ont été recrutés. Dans le domaine où on a un magistrat, il y a une inspection du travail. Parce que je suis juriste, je suis avocat, je peux maîtriser que mon domaine sans passer par les autres domaines, bien sûr. Dans le domaine de l'inspection du travail, on a recruté dans l'ensemble du territoire national beaucoup d'inspecteurs du travail. Et aujourd'hui, je peux m'ajouter, l'IGF avait également procédé au recrutement et des inspecteurs ainsi que du personnel. Et il y a d'autres secteurs qui avaient vu le jour par rapport à cela. Ce sont aussi des réalisations. Et aujourd'hui, sur le plan des infrastructures, nous avons Mamayemo de l'autre côté, un peu de 145 territoires. Il y a d'autres provinces qui sont déjà en train de palper les réalisations à 145 territoires. Il y a d'autres provinces qui viennent un peu timidement, mais je crois qu'avec le temps, eux tous auront cela. Donc, je crois que même au niveau de la justice, il a promu les uns, il a renvoyé les autres, il a fait les nécessaires, il a fait des permutations juste pour renforcer la justice. Parce que les magistrats qui sont là, ce sont les magistrats que le chef de l'État avait trouvés sur place. Et il doit travailler avec eux. Mais pour compenser, pour compléter, il a inséré d'autres magistrats pour renforcer l'équipe. Donc, tout ce qu'il est en train de faire là, ça entre effectivement dans son bilan. Et aujourd'hui, la guerre à l'Est, nous sommes en train de voir quand même les avancées significatives par rapport à la guerre à l'Est. La guerre à l'Est, il faut comprendre que nous, c'était la guerre qui a été déjà téléguidée, téléchargée. Et si nous sommes agressés, c'est parce que le chef de l'État avait refusé de faire la continuité des accords contre la population. Et c'est pour cette raison-là que lorsqu'il a rejeté les accords antérieurs qui ont été signés contre les intérêts de la population, c'est pour ça qu'on lui fait la guerre. Et nous avons tous entendu que le secrétaire national des Nations Unies dire que le M23 était mieux équipé que la MONUSCO elle-même, que la RDC aussi. L'armée de la RDC. On a posé la question, ça venait d'où les armes? Là, il dit que ça venait de quelque part. Mais aujourd'hui, les Ouazalendo ont démontré que ces gens-là n'étaient même pas équipés. C'était justement des trahisons internes qui faisaient de sorte que le M23 puisse prendre un peu de l'ampleur. Mais grâce aux patriotes des Ouazalendo qui ont appliqué l'article 64 de la Constitution, on a vu qu'il y a quand même des avancées et le phare des... Tout coûte là, parce que vous avez relevé quelque chose où Ezali est vraiment très, très, très capital. Parce que secrétaire, il y a ONU à l'objet qui est M23, Ezali n'a pas d'armes sophistiquées, plus que Bango. Mais les autres, on a opération conjointe, où ils ont bongo Spring Book, où ils ont bongo entre MONUSCO na FARDC pour que ba combattre ba M23. Est-ce que auto ko ba quand même na lingala na biso ali ko zo ba peuple té. Bango mo ba lobi ke MONUSCO et M23 ba armes sophistiquées. Lelo oyo FARDC encore na opération conjointe na MONUSCO. Est-ce que ko zo ba peuple té mon ambo? Bon, ils ont ko zo ba peuple té parce que je me rappelle encore j'avais suivi le ministre des Affaires étrangères à l'obaki que Toza va dupter. C'est-à-dire tout ce qui se passe dans notre pays, Toza comprend d'en haut du début à la fin. La MONUSCO le chef de l'État, lors de son discours aux Nations Unies, a signé avec la MONUSCO à se retirer. Et le plus rapide que possible, parce que la population n'en veut plus de lui. Mais nous sommes dans le cadre diplomatique, nous sommes sur le plan international, la MONUSCO, c'est quand même une institution internationale. S'il a besoin de venir prêter main forte à nos vaillants héros, à nos militaires, pour booster l'ennemi, on ne peut que l'accepter. Mais du moins, il ne va pas oublier qu'au mois de décembre, il est censé partir pour nous laisser notre pays, pour nous laisser les FARDC plus continuer à protéger la population. Mais maître, ce n'est pas une raison pour lui de s'éterniser dans notre pays. Mais maître, parce que vous avez des candidats qui ont la paix et pour le déploiement, il y a des matériels, des kits électoraux, où tout est dit que MONUSCO a un chariot, a un paix, et il y a un bien où il permet vraiment que vous avez fait fort. Ce qui MONUSCO a accueilli, le déploiement des matériels, ça a été fait. Je crois que MONUSCO a prévu à Kinetine à fin décembre et qu'au Kinetine a gradué. Donc on a commis une initiative à Malamo et Kosunga Bakongolais dans Souka. Donc on peut qu'il s'est été soit l'ingénieur de Bisso, à même l'absolu en matériaux, il y a Séni, à qui vous déposez en place quelque part. On ne va pas le refuser parce qu'on ne peut pas refuser les bonnes initiatives. Mais du moins, il faut qu'à se rappeler que la fin, il y a décembre, il faut s'apprêter déjà à qu'il y ait un malin. C'est vrai, à Idarabisso,
Ce qui peut aider, c'est que les Africains malins pour déjà aider la prospération ensemble et la faire décès. Mais ce n'est pas une raison pour rester. Parce que nous, nous voulons que les Congolais pour les Congolais. Donc, les Congolais eux-mêmes vont se sécuriser parce qu'on a été roulé à plusieurs reprises. Même, je ne vais même pas entrer dans l'EAC ici, mais on a été roulé à plusieurs reprises. Cette fois-ci, les Congolais ont été mis pour que gérer le pays n'abango bango moko ba congolais. Voilà, nabanzi était zali kutu question à souka on a proposé maître tomoni législature ou eleki ba congolais ba leki tant national que provincial kutu kolobate et session ya septembre silina noté ba kangi bango bon musala ba osala les société to kei na o national na national ba mususu bazoya les société pour bazo réclamer salaire na bango législature oyo ba congolais pe peuple congolais mobimba et souffrir législature ya sika oyo bino bokoya na kati ya hémicycle mwana mboka est-ce que ba congolais ba ko espérer na vent nouveau to et di moko boye oyo maître bande akoya nango déjà en faveur ya population mwana mboka vous savez pour le Parlement et Kala, je ne vais même pas rentrer sur ça parce que le spectacle était au rendez-vous. Et la population, c'est un spectacle. Tout le monde a une palissade, tout le monde a une salle de campus pour avoir un intérêt à Bango et non pour l'intérêt à la population. Tout le monde dans l'Assemblée provinciale, n'en parlons même pas. C'était vraiment du théâtre, c'était du bonnet blanc, quelque chose de Balobarana, bonnet blanc, quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, ce qui est bien, c'est pour apporter le changement. Changement à l'Iboso, pour un député, c'est d'abord le contrôle du gouvernement. Parce que ce qui est député, il a mesure de contrôler le gouvernement. Parce que dans le pouvoir, il y a contrôle parlementaire. Le député s'érige en juge des activités de l'exécutif. C'est-à-dire, un exécutif, un ministre provincial qui s'est méconduit, qui détourne, juge Nayel Iboso, ou il y a qu'on traduire devant ma instance, c'est d'abord le député. Mais malheureusement, ceux qui ont été en train de se faire, parce que vous avez dit qu'il y a un dynamique Ngobila. Et donc, ceux qui ont été en dynamique dans l'assemblée provinciale, tu sais que le reste, ça sera seulement de n'importe quoi. On a dit qu'il y a Iboso. Et qu'il y a mis Balé. Bacha. Descente, vacances parlementaires. Vacances parlementaires, ils ont raté pour toi qui est poto, toi qui est tamboula, toi qui est en photo, tout refait. Non. Vacances parlementaires, ils ont pour la députée, ils ont acquis la base, ils ont ayoka population. Ayoka population, lingini, population, ils ont sénganimi. Ce qu'a yoki, leur akoya maintenant, la rentrée parlementaire, a apporté désir à la population, dans le niveau parlement. S'il faut qu'on interpelle le ministre, on a interpellé Singaboué. Dans mon gafou là, bah érosion, tout le monde, saison sèche, tout le monde est à place, mort, bah salé, érosion. Route, le tende, tout le monde passe, bah salité. Ce qui n'a pas parlement, n'a rentré parlementaire, n'a interpellé d'abord ministre infrastructure, ministre et intérieur, insécurité, ça n'a commis dans mon gafou là, Moussangou, Kimbondo, bah insécurité, ça m'a cassé. Maman Mobutu, insécurité, ça m'a cassé. Et d'aller faire que interpeller cela. Je l'ai même allé au-delà. Parce que maman marché Matadiki Bala, gouverneur Ngobila, à Laka Bango Wenze. Jusqu'aujourd'hui, Mesa Moko Bachete. Donc, c'était une occasion pour nos députés provinciaux, par exemple, Yamongafula, d'interpeller le gouverneur de la ville pour dire que où se trouve le marché que tu avais promis. Parce que, marché parallèle, pirate, il faut taxe na bango. Parce que le devoir de l'État, c'est de mettre en place les mécanismes pour recevoir les mamans vendeuses. C'est ça le devoir de l'État. Et les mamans vendeuses, maintenant, une fois que vous avez la place pour vendre, vous allez maintenant payer les droits de l'État. C'est comme ça que ça se passe. Mais actuellement, maman, bazo te kana place, moko ya nzela. Place ya rosté ke zate. Mais bazo zo quand même ba taxe. Maintenant, ba taxe, on a bozo zoa. Bozo pesa, bozo tchango wapi. Ils ont servi na nini. Si on a longo, on a rencontré na DGRK. DGRK, bazo foutu en bon. Nzela ma boulou. Nyon sorti de salamate. Opération vignette. Vignette yango ezo banda. Finalement, bon, wana ekendara. Voilà des questions que les parlementaires provinciaux devaient poser. Mais malheureusement, ils se sont embourbés dans le désir du dynamique Ngobila. Et puis de l'autre côté, celui qui faisait l'apologie de Ngobila, Ngodempoyi, pendant 4 ans,
il louait Ngobila. C'est le meilleur gestionnaire. Et aujourd'hui, il s'est transformé en ennemi. Pourquoi? On ne sait pas. Parce que de l'autre côté, j'avais autorisé Koba Zambo à la banque. De l'autre côté, je n'avais pas autorisé. Voilà les théâtres, les spectacles que nous, la population quinoise a assisté. Est-ce qu'il faut continuer dans ça? Non, il faut maintenant changer les choses. Et changer, ce n'est qu'apporter les personnes qui réfléchissent. N'apporte pas quelqu'un parce que c'est ton oncle. C'est vrai, c'est ton oncle aussi a postulé, mais est-ce que ton oncle est en mesure de se tenir devant l'hémicycle pour parler au nom de la population? C'est vrai, ton frère ou ton X personne a postulé, est-ce qu'il est en mesure? C'est ça, c'est pour moi. Et aujourd'hui, nous avons interpellé Banamon Afoula. Moutaïn Apollo Lata. Moutapé Simbongo Zoa. Mais si tu n'es pas convaincu qu'il sera en mesure de dire quelque chose là-bas, qu'on peut se voir dans Ah, on a des messages pour ça. Coupé ça y voit na yoté parce que tu reçois sous 5 ans y a collé là. 5 ans y a collé là. Parce que na monga foula, ils a commune au bat pas koufi mingi. Na mbula na tozina no singakoure koi bat pas koufi. Ndele katani bat pas koufi, érosion bat pas koufi. Et la commune au Jésus ba sinistre émêlé na commune na ville à Kinshasa. Mais après le sinistre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Après le sinistre, le parlementaire a interpellé qui est l'autorité? Rien du tout. Il y a en France, il y a en Amérique. Voilà, maître, tu as combien de soukra? Voilà, 30 secondes. Message dans la population congolaise, Mobimba. Message dans la population congolaise, c'est que la présence de la République, tout le monde, c'est Fachi Beton. La nationale, de soutenir le président Didier Mundela Mbuyi et puis la provinciale pour soutenir Bandu Boto Platini. Ah, merci beaucoup maître na bandi et za na mutu moko pe na lukaka mingi le président Didier Mundela parce que ceux qui na uzonga na oyia wana na mona na pancarte ne liboso ya a sorti à chef de l'état c'est déjà quelque chose de bien bon va à vous président mon amboka to komi na biso na suka mais partout ils appartiennent na linga mingi parce que monsieur ici ma retourne yo est-ce que le yo Jean-Tini Ngobila a mérité la ville province à Kinshasa Jean-Tini Ngobila moi je préfère plus que notre population a jugé. Parce que, au regard, fait, on a relevé dans mes interventions que la population agit. Parce que quand on a voté, la population n'a pas voté. La population a voté. Est-ce que Jean-Tini Ngobila a fait quelque chose? Maman m'a dit qu'il y a un peu devant une voiture. Est-ce que Jean-Tini Ngobila a voté? Ah, merci. Maître Bandou Lelo a eu un hémicycle où il y a une assemblée APK à Kinshasa. Il y a environ 7 000 $ à 11 000 $. Il y a plus de 11 000 $. Au revoir, au revoir. On a besoin d'abord. Pourquoi on a besoin? Parce que dans la fondation Platini Bandou, nous avons travaillé depuis beaucoup d'années. Nous avons un projet à forage, nous avons un projet à garage pour les jeunes, nous avons un projet à centre de santé. Donc, nous avons déjà un terrain. Dès que tu poses un centre de santé, nous avons déjà un terrain. Nous avons déjà un terrain construit, hein, pas terrain vide, terrain construit. Mais tout ça, on a besoin de matériel à centre de santé. Forage, tout ça est déjà projet. On a aligné la dynamique, on a des possibilités. Tu parlais de salaire ou bien tu parlais de la corruption? Mais c'est toi comme on a mis ça. Non, ce qui est salaire, c'est les honoraires en tant que député, je vais prendre. Parce que tout le travail mérite un salaire.